Lisez avec moi. Read with me. Ephésiens chapitre 1. Ephesians chapter 1. Et verset 3. Béni soit Dieu. Blessed be God. Le Père. The Father. De notre Seigneur Jésus Christ. Of our Lord Jesus Christ. Qui nous a bénis. Who blessed us. Ça veut dire. Means. Ça a déjà été fait. It has already been done. Écoutez mon enseignement. Listen to my teaching. Premier point. First point. Dieu. God. Nous a déjà. Already. Bénis. Blessed us. Ce n'est pas maintenant. It's not now. Que nous venons chercher la bénédiction. We're coming to collect the blessing. Mais Dieu. But God. En Jésus. In Jesus. Nous a déjà. Already. Bénis. Blessed us. Premier point. First point. Écoutez la suite. Listen next. Et il nous a bénis. Blessed us. De toutes sortes de bénédictions. All kind of blessings. Ça veut dire. It means. Quand tes ennemis te voient. When your enemies see you. Ils doivent fléchir genoux. They ought to kneel down. Et confesser. Que lui là. C'est là. On ne sait pas comment. Don't mais lie. On doit reconnaître. Que Dieu est dans sa vie. God is in the life. Qui nous a bénis. He blessed us. De toutes sortes de bénédictions. All kind of blessings. Toutes sortes de bénédictions. All kind of blessings. Spirituelles. Spiritual. Dans les lieux célestes. In heaven. Je poursuis. Verset 4. Verse 4. En lui. In him. Quelqu'un va répéter après moi. En lui. God repeats. Dieu nous a élus. En lui. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Quand on parle d'élection, il y a plusieurs personnes. Et on doit faire un choix. Et la Bible dit, dans les lieux spirituels, avant que tout le monde existe, Dieu t'avait choisi. Dieu t'avait préparé. Et il a rempli ton atmosphère de bénédiction spirituelle. Et toutes sortes de bénédictions. Tu ne manques rien. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir. Qui comprend cette révélation? Who understands this revelation? Il a plu à Jésus. Pleases Jesus. Que nous soyons les fils adoptifs the adoptive children de son papa. Of his father. Jésus a plaidé notre cause. Jesus pleaded our avant case que nous puissions naître before our birth et demander à son père ask his father que la bénédiction, the blessing, les multitudes de bénédictions multitude of soient attachées à nos vies. Tied to our lives. Donc avant de naître, before our birth, avant de venir before coming dans ce monde, in this world, nous avons déjà été préparés à être des enfants. Children. Bien aimés frères, beloved brothers, Dieu nous appelle, God calls, à expérimenter des choses extraordinaires. To experience extraordinary things. Si nous ne réussissons pas dans la vie, we don't succeed in life, Dieu va nous en tenir rigueur. God will ask us to count. Si des choses ne prospèrent pas dans nos vies, things are not prospering in our lives, Dieu nous demandera des comptes. No access for accounts. Bien-aimés frères, il faut comprendre we have to understand que Dieu God nous bénit blesses, pas parce que nous le méritons, not because we deserve, mais dans son plan, in his way, en tant que Père, as a father, il nous a déjà sélectionnés. Already selected et en tant que sélectionnés, as a selected il a first attaché la bénédiction à chacune de nos vies. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1 verset 26 jusqu'au verset 28 il y a des déclarations qui sont très importantes pour nous. Il y a quatre choses qui vont ressortir de la grâce que Dieu a attachée à notre vie avant que je ne laisse
Dieu m'avait choisi. C'est déjà la première victoire. Avant que je ne naisse, Dieu m'avait arrosé. Deuxième victoire. Avant que je ne naisse, Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Premier point de la grâce. De la bénédiction. Quand Dieu t'appelle et Dieu te choisit, la première chose qui t'accompagne, c'est la fécondité. N'aie pas peur. Ne prononce plus le langage stérile. Ne prononce le langage de la fécondité. Je suis fécond. Mes enfants sont féconds. Ce que je touche, c'est fécond. Ce que je touche, produit. Moi, je ne suis pas dernier, mais je suis premier. Là, mes parents se sont arrêtés. J'ai le pouvoir de dépasser. Quelqu'un rentre en contact avec toi, il y a un témoignage. On est content de t'avoir comme ami. Ta présence restaure. Ta présence féconde. Ta présence attire la grâce de Dieu. Soyez fécond. Be prosperous. Multipliez. Remplissez la terre. Tu dois avoir plusieurs voitures. Multiply. Tu dois avoir plusieurs maisons. Several houses. Tu dois avoir plusieurs terrains. Several lands. Tu dois avoir les enfants que tu veux. Tu dois avoir le salaire que tu veux. Salary you want. Remplissez la terre. Preach. Et l'assujettissez. Assujettissez, dominez. Submit. Et dominez. Dominez. Dominate. Tu ne dois même pas faire d'efforts. La domination attachée à ta vie. Dominion is tied to your life. Les gens vont parler de toi. People will speak of you. Les gens vont te critiquer. They'll criticize. Dieu va toujours signer un décret en ta faveur. They'll sign a decree in your favor. Les principes. Principles de la faveur divine. Of divine favor. Écoutez-moi. Listen to me. Comprenez. Understand. Que Abraham, that Abraham, notre père, our father, a déjà payé le prix. Already paid the price. Il a tissé une alliance. Dieu l'a béni. God blessed him. Dieu l'a choisi. God chosen. Et Dieu lui a fait la promesse. The man had promised to him. Après toi. After you. Je bénirai toute ta descendance. Bless all your descendants. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Will be cursed. Je tisse une alliance avec toi. I seal a covenant with you. Toute ta descendance all your descendants sera bénie. Will be blessed. Dieu a fait sa part. Part. Abraham a fait sa part. Abraham did his part. Et troisième point, the front part. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes directement attachés et nés directly dans la bénédiction. La seule chose pour entrer dans la faveur de Dieu, c'est être dans une disposition d'esprit et avoir le mot qu'il faut. Jésus nous a-t-il pas dit, quand vous demandez et que vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Deux, quatre personnes. Two, four people. Quelqu'un qui dit à Dieu, telling God, Seigneur, je t'en supplie. God, I beg you. Hey, fais quelque chose pour moi. Do something for me. Je n'ai qu'à accoucher un peu. I have to give birth. Hey, Seigneur, pardon. Oh Lord, I beg you. Vous voyez cette personne qui prie? You see these people crying. Qui pleure? Crying. Quand vous voyez la personne, when you see the person, ça donne des frissons. It moves you. Ça crée en vous l'émotion. It moves you. Maintenant, ça ne fait rien à Dieu. Nothing happens before God. Une autre personne. Another person. Qui prie? Crying. Seigneur, je te bénis. Oh Lord, I bless you. Je te rends grâce. I render you the grace. Pour la fécondité. For prosperity. Qui est mon partage. Merci pour l'enfant que tu m'as donné. Thanks for the child gift. Merci parce que je vais scolariser l'enfant. Because I will school the child. Je vais l'éduquer comme tu veux. I'll educate him et je vais as te well. Le consacrer. And I'll consecrate him. Deux prières différentes. Two prayers different. Pour être dans la faveur divine, to be in the divine favor, il faut demander la direction divine. As divine direction. Tu me conduis où? Why are you leading me? Tu m'envoies où? Why are you sending me? Ce qui fait what made, que les chrétiens ne sont pas bénis, blessed, ils ont envie de se comporter comme les autres. Want to be as other people. Et la dernière chose, the last thing, et la plus importante, most important, est l'exemple d'Abraham. Example of Abraham. Nous sommes citoyens des cieux. We're citizens of heaven. Seulement que nous habitons sur la terre. But we live on earth. Nous, en tant que chrétiens, as Christians, nous, enfants de Dieu, children of God, nous ne marchons pas par la vue, we're not walking through sight, mais nous marchons par la foi. But through faith. Ne pas regarder,
should not look. Mais voir. But I should see. Voir. See. Je me vois comment? How do I see myself? Je vois ma vie comment? C'est mon dernier point. It's the last point. Tout n'est pas spirituel. Everything is not spiritual. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Il faut tirer. We have to draw. Ce qui est dans le spirituel. What is in the spiritual? Pour le faire descendre. Make it get down. Dans le charnel. Into the flesh. Dans le physique. Into the physical. Et pour le faire descendre. To make it get c'est down. C'est là qu'il faut activer. It's where we have to train. Certains principes. Some principles. Premier principe. The first principle. Un exemple parmi tant de principes. Example. Jésus dit. Il dit pour vivre il faut mourir. To live you have to. Deuxième principe. The second principle. Il dit donner. Say give. Afin de recevoir. So that you receive. Qui connaît cette prière de Saint François d'Assise? No, this prayer of Saint Francis. C'est en donnant qu'on reçoit. Giving, c'est en suppliant. Aïe 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 aïe.